Bonjour, je m'appelle Maud Raffray, j'ai 44 ans et je vis à Nantes depuis 16 ans. J'ai commencé ma carrière comme analyste financière dans une collectivité locale et j'ai passé ensuite 20 ans à travailler pour les villes et les métropoles, dont la moitié à peu près à Nantes. Cette ville m'a d'ailleurs donné la possibilité de participer à de grands projets culturels passionnants, dont la réouverture du château, la biennale estuaire et puis la création du voyage à Nantes, dont j'ai été la secrétaire générale pendant 6 années. Chemin faisant, mon regard féministe s'est construit et j'ai commencé à m'engager au sein de plusieurs collectifs associatifs. J'ai ensuite ressenti le désir de passer la vitesse supérieure en y consacrant mon temps de travail et pas seulement mon temps bénévole. C'est pour ça que j'ai créé mon métier d'activatrice d'égalité femmes-hommes dans les domaines que je connais et que j'aime le plus, la culture et les politiques publiques locales. La crise du Covid a révélé nos vulnérabilités. Elle met plus clairement en lumière les inégalités, leur ampleur, et aussi elle les aggrave. Ces inégalités sont le fruit de multiples rapports de pouvoir, dont les femmes paient trop souvent le prix fort. Je ne supporte plus de voir la parole des femmes ignorée, interrompue, traitée avec condescendance. Il faut absolument que les femmes puissent prendre réellement leur place, partout, tout le temps, sur tous les sujets, et à leur façon. L'égalité entre les femmes et les hommes, dans toute leur diversité, est un levier puissant et indispensable pour opérer les transitions écologiques et démocratiques. Sans cette égalité, on n'y arrivera pas. Cette conviction qui m'anime en fait, c'est politique. Les élections régionales, c'est cette année. Et je crois que l'initiative qui peut accueillir, porter, nourrir tout ce dont je viens de parler sur notre territoire, c'est l'appel pour une région écologique, citoyenne et solidaire. Les besoins sont immenses, les désirs tout autant, alors j'y vais.